J'ai surtout appris à gérer mon temps parce que on devait, dans la partie hybride du cours, terminer les exercices à des heures précises. Donc, ça nous forçait à tout faire et bien le faire si on voulait avoir des bonnes notes. Ce qui est un peu différent dans un cours avec le professeur. Alors, gérer mon temps et puis bien communiquer aussi parce qu'on devait interagir avec les autres étudiants sur le forum et parfois envoyer des courriels au prof. Donc, on devait être clair dans nos messages pour se faire comprendre. On ne pouvait pas communiquer en personne, ce qui est plus facile qu'à l'écrit. Donc, j'ai appris à bien communiquer, à travailler à distance, en équipe. Ce n'est pas toujours facile, mais avec un cours hybride, on doit s'adapter. Et j'ai trouvé des moyens à faire toutes ces choses, et maintenant, c'est quelque chose que j'utilise tous les jours. La gestion de temps, c'est peut-être quelque chose que certaines personnes vont pouvoir apprendre. Moi, personnellement, ce que j'ai appris avec ça, c'est comment communiquer avec les autres à travers la technologie, sans être obligé de faire un appel téléphonique, qui serait comme mon premier instinct, ou d'envoyer un courriel. Il y a d'autres façons. Puis c'est ça que j'ai trouvé qui était vraiment intéressant, puis que je vais appliquer maintenant dans le monde professionnel. Je peux créer un Google Docs que tout le monde va aller mettre des informations dedans, puis ensuite on peut en faire un sommaire pour que mon employeur le sache autant que moi ou que les gestionnaires du projet le sachent. Et puis mes collègues de travail, on peut se créer un corpus que tout le monde va alimenter sans être tous dans la même pièce. Alors, je pense que c'est au niveau de la technologie que j'ai beaucoup appris de ce côté-là, puis que j'ai réalisé à quel point c'est important justement de l'utiliser, puis ça rend la vie plus facile.